Alors, chers amis, bonjour. Bonjour à tous les fidèles de la matinale. Na pisi bino bambote, bo yamba bambote, partout, bozali. Bene yamba bambote, yamounou, compte de Courbevoie, Boubouya, ibetoke le 6 mai 2022, na pesa ben bambote. Mbotia beno, na bantoun ke diya konete na YouTube, William Filan Mbotiange, Flore Eliane, double M Mbote, Cyril Fernand Mbotiange, Chris Mouzeo Mbote, Jean-Marie Mabanza Mbote, ben yamba bambote. Partout une benke. Judicaël Gonga aussi du côté de Nancy, Ben Yababamboti. Robert Célestin Mombouli, l'homme du Canada, Mbotier, Philippe Ibata, bonjour, Goré Matimona, bonjour, Barre de Fer, Nzizou, bonjour, Ossem Ngobo, bonjour, Marie-Thérèse Babakana, bonjour, Karel Dianis, bonjour, et puis Togo Sanité, Eril Biasala du côté de Bordeaux, Yamba Bambote, l'homme de Mouyondi, Mbepesge Bambote Ming, et Lorion Sunga, bonjour. Alors, David Moani aussi, bonjour à toi, mon cher ami. Alors, les amis, sans plus tarder, nous allons faire un tour du côté de la régie. Et tous ceux dont je n'ai pas mentionné les noms ici qui sont déjà connectés, recevez aussi mon bonjour. Nous allons faire un tour du côté de la régie pour aller voir le prix et du baril du pétrole qui caracole toujours au-dessus du 100 dollars. Nous sommes à 111 dollars, 38 cents. Alors, bonjour aussi, Prince Okola, Botenabino. Alors, Bomoni, Mbongo Ezali, Samuel, bienvenue Mukuri Lelo, bonjour à vous. Alors, Baninga, Lelo Makambo Ezali, Bele ya Kosolula, et Bele ya Kosolula. Bon, Mbongo Ezali, là, on n'a pas de problème. Tu peux Nino Boué pour dire que ce qui te salue la revendication, c'est parce que tu es bien que Mbongo Ezali. Donc, si Bet Maison Zboubouyaï, Bet Zab, que moi, Mbongo, qui est le foutaï, il est na kacha caisse, il y a une Bet Maison Zboubouyaï. Donc, Mambo Keming, Bet Maison Zboubouyaï. Mambo Tete, Bet Maison Zab, Bet Nazola, Zabis Naben, que non, Banabeto, Il y a côté à Maroc aussi, il y a étudiant. Et effectivement, il y a une situation dramatique. Il y a un drame qui se prépare du côté et du Maroc. Nous sommes toujours ces lanceurs d'alerte. Nous avons toujours été les premiers à alerter, que ce soit en Ukraine, en Russie, de par le monde, partout, hein, en Algérie. Nous alertons nos dirigeants pour dire que non, il faut faire quelque chose. Et aujourd'hui, ce sont nos enfants qui sont du côté du Maroc qui pleurent. Pourquoi pleurent-ils ces enfants? Parce que ces enfants ont été abandonnés. Qu'est-ce qui se passe avec ces enfants? Ces enfants, aujourd'hui, sont des finalistes. Ils ont fini, mais malheureusement, on ne peut pas leur donner leur... Et ils ne peuvent même pas renouveler. Ils ne peuvent même pas renouveler leur titre de séjour. Et même les finalistes qui ont terminé ne peuvent même pas aussi valider leurs examens parce qu'il n'y a pas de bourse. Ils sont abandonnés. Les gens qui sont... au niveau des ambassades, ne jouent pas le rôle. Alors, ils n'ont plus de passeport. Voilà, déjà, pas de passeport pour renouveler leur titre de séjour. Nous demandons aux autorités congolaises de se pencher sur ce problème-là. Vous savez, il y a eu une période. Montou si qu'en à Congo-Brazzaville, Denis Christel Sassou Nguesso, que tout le monde ici là en train de vanter les mérites. Tout le monde trouve que non, c'est lui. Le remplaçant valable du président de la République, Bayan Bansounza, qui est maintenant le poulain du président de la République. Et tout le monde, ah oui, il travaille. Parce que tout le monde, ils ont essayé de faire une communication autour de lui à chaque passage, même quelles que soient les autorités, quelles que soient les personnes qu'on reçoit au niveau du Congo-Brazzaville, ils passent d'abord par le président de la République, le premier ministre. La personne doit toujours passer par Kiki, qui a un ministère de la coopération. Donc, même le ministre des Affaires étrangères passe au second rang. Qui que ce soit, qui cuisine à Brazzaville, qui que ce soit, mais qui rende visite à l'autorité à Congo, il faut mettre la place à Kiki. Donc, tout est fait, tout est monté de telle sorte qu'il faut mettre Kiki en lumière. Ce monsieur avait eu une idée parce qu'il avait créé Perspective d'avenir, parce que Bouclaya, Perspective d'avenir. Bon, aussi, un cousin qui a créé Perspective d'avenir, il avait fait. Il avait octroyé des bourses aux jeunes Congolais. Ah bon, vraiment le bienfaiteur. Qui octroie des bourses aux jeunes Congolais, Bakwenda na Maroc. Ces jeunes-là, aujourd'hui, sont abandonnés là-bas, sont abandonnés aujourd'hui, à ce jour. Ces enfants-là nous ont appelés hier pour dire que non, Betre n'a pas si nous sommes abandonnés. Ces enfants-là sont abandonnés, sans bourse, et ils n'ont même plus de moyens pour rentrer à la maison. Et aujourd'hui, se retrouvent sans passeport parce qu'ils ne peuvent plus récupérer, et comment on appelle ça, renouveler leur titre de séjour. Pourquoi? Parce que les gens ont cru à quelqu'un. Mais comment on peut croire à quelqu'un? Quelqu'un qui a tenu Cora fermé Bouissiao. Bah mes pèsiens dit et Cora fermé Bouissiao. Bah mes pèsiens et SNP fermé Bouissiao. Boubiaï, on croit que non, on va lui donner le ministère de la coopération, il va réussir.
alors qu'on a englouti beaucoup de milliards là-bas, et il y a ceux qui rêvent encore que non, il faut lui donner les règnes de ce pays-là, il va diriger ce pays. Voilà comment nous sommes à mentalité à bête, retardée. Lissouba va venir à pouvoir. Moi, je ne suis pas pour Lissouba qui a bien géré le pays. Même si je suis à Lissouba Vandiki Imbi, Lissouba a échoué. Lorsqu'il a échoué, les mêmes Congolais, vous là, vous les Congolais, c'est vous qui avez demandé à Sassou de venir. Ah, Sassou est mieux. Ah, Sassou. Vous avez oublié les 11 ans de Sassou, comment il a régné de 79 à 92. Belme Zimani Yao. Belme Takachi. Non, Sassou Fouam Foutouka. Ah non, là il a compris. Ah, il ne va plus faire la bêtise. Mais là, il est revenu pendant 20 ans. Pire encore. Et c'est la même chose qui se passe. Ce monsieur-là, ce qu'il a fait à la SNPC, vous oubliez. À la CORAF, vous oubliez. Il a ruiné tous et partout où il est passé. Mais vous imaginez seulement que non, une fois qu'il sera au pouvoir, il va faire mieux, il va faire pire. Il y a mes talibans et talibino. Bon, continuez. On va continuer toujours à s'asseoir sur vous, ces personnes-là qui ont toujours échoué. Hein, mais vous faites toujours confiance à ces personnes et talibino. Donc, banana biso na maron ou kuna bako mona passi, bah, sous nos bâtis de séjourter, ses enfants sont abandonnés. Donc, nous espérons que les autorités congolaises vont faire la mato, il va yoka. Yoka, on peut pas yoka, katelet ou wakamakam. Les kamwami balet ou solabino est allé à côté à Pointe Noire. Voyez-vous bon, que Pointe Noire, mokana biso ana yango mote misaka pétrole, boko mon ezo kot saka mbongo na budget à l'État. Alors, drame mosque na kou se prépare que na Pointe Noire. Il y a un drame qui se prépare à Pointe Noire. Les enfants de moins de 1 an, vous savez que le système de santé y a bana les baka butukaka, il faut bana ba pesa ba vaccin, baka la vaccin ming baka baka. Mais baka la vaccin mos baka baka pou moya ou ya BCG. À ce jour, Pointe Noire même que la pénurie à vaccin, à ta vaccin à BCG il est élevé. Ba mam que na kwena ba nous na l'hôpital ba na kwena kumkuna vaccin il est élevé. Donc les enfants ne sont plus protégés. On ne peut plus protéger les enfants. Alors que le Congo, il y a ni signé que convention. Il y a ni vendu Zabis na Yandi, traité international, hein. Vendu exé Yandi, il faut y allouer que 15% y a budget à Yandi, na mambou y a la santé. Malheureusement, à ce jour, le budget de la santé se lève seulement à 7%. Qu'à 7%. Les 7% va même négliger. D'où ben attendre que ma défaillance, Boubouyaï, va vaccin qui n'a manqué que, na boire la mbimba toute la vie de Pointe Noire. Donc, toutes les moments là, toutes les femmes qui ont accouché, il y a de cela un mois, qui doivent aller à l'hôpital pour que la personne bana ba ou, bah, vaccin et zalité. Donc, bana ba comme il est exposé. L'obus qui bana ba koufi, bo kamwate, bo lobate pour la nid bana ba koufi. Bango moko, bah, zo préparé d'y aller, ouaya bana, alors que les enfants doivent être protégés. Ma kamama, bah, romi tout na bango, bah, kansaka, ma kamme soussou, alors ma kamwe a vrai important ni angoyo pour veiller quand même la santé à bana. Bana, même si on dit biso mikolo ba macho, biso to respecté que bangote, to finga kabango, to lo baka makamo ming, mais bana mike, ba yebe atali kambo mokote, bana wana, bazali, na souna protection te. BCG, ya même manisa na ville ya Pointe Noire. BCG, ike le jaka ve. Ba mam ke na kwendaka, na kwen sal vaccin ya bana, ike le jaka ve. Donc, betina, lombaka na beno, ba autorité, ben fungul makutu, ben kwen sonne na ba porte yina, il faut que ba soigner ba bana, ba pese ba vaccin pour la protection des enfants. Les enfants, à partir de un mois, il faut ba bakaka, vaccin ba ke bokilaka, BCG. Et zali li sous soute dans toute la ville de Pointe Noire, ike le jaka ve. Voilà. Bon. Papa Angi, bête que zonza, ben zab na côté ya Brazzaville aussi, pénurie, que na salakuna, na mamboa paye, ya essence, pendant une semaine déjà, ban que na tala passe. Mais nos dirigeants, je crois qu'ils ont la tête ailleurs. Hier, vous savez, sur les réseaux sociaux, je me suis amusé parce que je savais qu'il y avait conseil de ministre et je voulais savoir mais où se trouvait le compte rendu du conseil de ministre. Les gens se sont mis à ricaner, se moquer de moi. Qu'est-ce que tu cherchais? Pourquoi tu voulais avoir le compte rendu? Tout ça. Mais non, les amis, moi, je cherche le compte rendu. C'est notre base de travail. Parce que là-bas, ce sont les informations officielles qui arrivent. Alors, le compte rendu est arrivé à 20h au journal de 20h. Et à partir de 22h, sur le mur de Thierry Mungala, porte-parole du gouvernement, il a publié ça sur la page du ministère à partir de 20h. Donc, nous sommes intéressés pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, monsieur Thierry Mungala? Chaque fois qu'il y a un conseil de ministre, tu fais de ça un mythe, comme si c'est un secret, comme ici, secret défense, il faut garder, alors que vous avez fini le conseil des ministres depuis midi, 11h, et ou 13h, ici en France.
Gabriel Attal, lorsqu'il y a conseil de ministre, il se présente devant la presse, il répond aux questions et il donne les grandes lignes du conseil des ministres, les conclusions, ce qui a été décidé au conseil de ministres. Mais chez vous, c'est toujours, il faut négocier, il faut chercher, il faut fouiller jusqu'à 22 heures pour avoir accès au conseil des ministres. Parfois aussi, on peut dormir puisqu'on est fatigué, on se réveille sur le lendemain matin qu'on se rend compte qu'il y a eu conseil de ministres, où sont les conclusions? Thierry Mongalaï, lui, il dit non, il faut respecter les médias parce que ce sont les médias qui lui imposent de ne pas divulguer le conseil des ministres. Donc, Télé Congo, à Sengakana, Thierry Mongala, après ça, le conseil des ministres, pour que Télé Congo, à Zalana, la primauté, il y a qu'on l'a qui ça, conseil des ministres, wana. Soka, ouais, la capona, Audimat, mais plus personne ne suit Télé Congo. Essayez de changer comment on appelle ça, les programmes de Télé Congo pour que Patrick Kotala. Mais donc, ne cherchez pas à ce que les gens viennent à 20h, bah, on ne pour que Patrick. Alors, un jeune comme lui, je crois qu'il a été nommé à moins de 40 ans, il était déjà ministre. Parce que ça fait 20 ans qu'il est ministre, hein, Thierry Mongala Bozo Monakal. Ça fait pratiquement 20 ans qu'il est ministre, lui, Thierry Mongala. Alors, c'est un jeune qui arrive avec les idées des vieux. Voilà, des idées rétrogrades. Je sais même pas, lui qui devait être moderne, voilà, il s'illustre par des méthodes, parce que le PCT lui dit non, il ne faut pas et donner. Mais nous sommes à l'ère du 21e siècle, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, à la vitesse grand V, les informations partent. Il faut donner des informations, les gens ont besoin de bouffer l'information. Vous ne devez pas faire la rétention de ces informations-là pour donner à Télé Congo. Ici, nous avons les chaînes en continu. À la seconde, il y a un coin à Élysée, il y a un petit peu de rumeur. Il y a un petit peu d'information, il ne faut pas le faire, on a une torche. Alors, conseil de ministre, on peut le faire, il y a un lobby. Il y a un moment qui est intéressé. Alors, pourquoi le conseil de ministre s'est tenu en visioconférence? Nous soupçonnons que le président de la République est en train de bouder son premier ministre. Non, le ministre de l'Intérieur. Point la ligne. Parce que le premier ministre a fait signer au président de la République un document où le président de la République a été obligé de se renier lui-même. Avant de lui signature, naïe. Et à ma camboya sonne. Donc, le camboya naïe, quand il sa présent à la République, et kanda. Donc, alors, on l'ingas, comme moi, même, on a mis sauté premier ministre, naïe, n'a pas ministre de l'Intérieur, n'a pas rognon sauté, on a, là, bah, sambouissier, bah, sambouissier. Le cas de Romia, le tikambou, non, romoni, ango, moubenda, va faire signer. Fait par le premier ministre, a fait faire signer au président de la République un document où le président de la République a été obligé de s'asseoir sur son et sur sa signature. Donc, les Camerounais ont fait ça, papa Mokosi, Kanda, crise au sein de l'exécutif entre le président de la République et son premier ministre. Donc, nous sommes intéressés à regarder qu'est-ce qui se passe au sein du conseil de ministres, par conclusion, une chose qui nous intéresse, parce que le reste, là, ça ne nous concerne pas. La nomination tribale, on est habitué. Mais les Cambois qui ont intéressé, c'est la flambée des prix. Est-ce que ma Cambo, Tovzo, Sengakal, Bango, est-ce que Bago Salango? Je vais vous lire pour que vous compreniez bien le ministre Silou, qui est le ministre et du commerce et de l'approvisionnement à Lobby Makamonini. Makamonini va décider dans le conseil des ministres. Bofongola Matoi. Binomokobo yoka, ben fungul ma koutou, ben moskou wa foso, boa la bête yaï, bakena jireke ya. Alors, mambou ya papa Silou, iki alme zoza, ame sa la communication. Ministère du commerce, des approvisionnements et de la consommation. Présentant une communication sur le plan de résilience, dont le principe avait été retenu lors de la réunion du conseil des ministres tenue le 6 avril 2022. Boubia, il peut être qu'elle est le 6 juin. Donc, ce problème a été déjà évoqué au conseil des ministres un mois déjà. Même avant un mois, Beto Awa, Beto Zonza, déjà, ma mamouina. Nous, on s'est inquiétés. On a parlé, on a crié. Le 6 avril, eux, ils se sont intéressés à cette situation. Boubia, le 6, Boubia, un mois après, le ministre du Commerce, de l'Approvisionnement et de la Consommation a rappelé aux membres du Conseil que la pandémie de COVID-19 et les événements se déroulant actuellement en Ukraine ont durement affecté le commerce mondial. La flambée importante des prix observée au niveau mondial a été accompagnée par une désorganisation des filières de commercialisation. Cette situation qui risque de se prolonger appelle à une grande vigilance des pouvoirs publics ainsi que la mise en œuvre d'une action gouvernementale rapide afin d'éviter une crise alimentaire dans notre pays. Le plan de résilience qui va être proposé s'appuiera sur 4 piliers majeurs.
Le plan de résilience qui va être proposé s'appuiera sur quatre piliers majeurs. Donc, le plan de résilience qui va être proposé encore. Mais tu pensais que non? Pas proposé que déjà, il y a ça là, pour qu'il y ait dans le plan de résilience, il y a où il y a. Un mois après, ça va conseil des ministres. Le plan de résilience qui va être proposé. Donc, Baboun même va proposer Yahoo. Tout est dans le futur. Encore dans le futur. On peut prendre un pari ici, na ben, na beto, en que ça, l'attaque qui me suffit. Parce que, au moment où les gens sont en train de souffrir, ils sont incapables de prendre des décisions ou des mesures pour faire face à la flambée des prix. Aujourd'hui, le ministre du commerce, un mois après, conseil des ministres, Bazonza déjà Mambouya, plan le fonds de résilience. Mais aujourd'hui, il dit encore le plan de résilience qui va être proposé. Donc, c'est pas encore fait. Rien. Qui va être proposé, c'est ça s'appuyer sur quatre piliers majeurs. Sur le financement, tout ça. Bon, mais les militaires même, Mambouya, présentant les mesures, il va même proposer. C'est ce que nous avons proposé ici dans la matinale. On a proposé ça. C'est bien qu'il ait retenu. Mais quand il y a la parole. Pas parole, parce que plan en gros, à bout de ma rien, parce que ça peut-être aussi yaouvé. Parce que s'il fallait le faire, je vois pas qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui. Est-ce que prendre les agents de commerce, n'a qu'on finit si bas, pas qu'on y vérifier, ma prix, pour contrôler ma prix, ma contrôleur, pas qu'on ça en gros, ou on a payé fourni, il faut ça à l'école et à n'engeni. Dans le ministère du commerce, en gros, ça la carte. D'habitude, bah là, ma contrôleur, t'es, ma contrôleur qui va prêter. Donc les éléments, on peut pas les envoyer déjà sur le terrain que nos contrôleurs étaient. Ça, ce n'est pas fait. Non, ma commence à la route. Donc, ma commence à la route, mon côté. Oh, ma commence à la route, ma commence à la route, ma commence à la des mesures de défiscalisation, ainsi la réduction de 50% de coût de passage portuaire des produits, ton dimiam. Ni voilà, ton sengaki. Nous avons demandé ça ici dans la patinade. Ma commence à la route. Elle sera accompagnée de la construction de stocks de sécurité en produits alimentaires de base, tels que le blé, autre va, qu'on va, il faut basser là-bas, stock, bah, yé, bah, comment on appelle ça, alerte, il y a stock et cause à la cap. Pour que bah, ah, attention, il faut faire face puisque bloc est aussi là, tout ça là. Bah, retenir en gros. Mais qu'est-ce dans les paroles? Bah, retenir qu'à ma parole. Parce que ça fait moi un moment. Timo Kolanelo, bah, ça n'y a pas comme côté. N'a la Kanisaki, ma Kambo, et bah, si ma Bongisaki en gros. Bisoto Kanisaki, conseil de ministre. Moi, on n'a pas besoin du conseil de ministre. Parce que j'en avais besoin du conseil de ministre. Pour savoir si ces personnes-là travaillent. Mais non, en fait, nous sommes vraiment dessus. Bah, Vandeli Bisso, ils n'ont rien à foutre. Ils n'ont rien à foutre, ces personnes-là. Et donc, on moko bako sala exalité. Bako kipe en gote, bako mona bato, bako mona pasi, bako kaka maloba, koloba, lo poto, makasi, qu'on trouve, que tourner autour du pot. Mais je pense que c'est pour cela, Thierry Mongala est en train de bouder le gouvernement. C'est pour ça, Thierry Mongala ne veut même plus travailler avec le premier ministre, Anatole Coliné Makoso. Thierry Mongala, aujourd'hui, a tourné le dos au gouvernement. Thierry Mongala s'occupe maintenant de sa circonscription qui est à Sibiti. Thierry Mongala ne veut plus travailler. Je me demande pourquoi le président de la République le garde comme porte-parole du gouvernement. Ah, pour ça, attends, là, comment compter? Concernant le gouvernement, il ne communique même plus. La flambée de prix, bon, yoki Thierry Mongala, non, Makamouana, rien. Ce gars, Makamou, élection présidentielle, n'a pas toi, allez, à qui n'a rien fait qu'on l'ouba. Mais Makamou, quand t'as l'ambo, qu'on a bisso, pétrole, essence, alités, battement, comment on a passe, gouvernement, zone l'ouba. Attends, là, comment compter? La conseil des ministres, bah, l'ouba, Makamou, y'a carburant, la brasavilité, rien du tout. La flambée de prix, bah, sali à taille, l'autre côté, bisous, t'en vas qu'on canisse, bah, t'en vas, n'a qui m'a sali, sinon, bon, t'en vas, mesure, à partir de ceci, on a décidé, défiscalisation, ouais, mais ça, ce n'est que des paroles, bah, qu'on l'obaka, d'engueu, t'en vas, la bastor, donc, calorana à taille, l'autre, comment qu'on va sali, n'a qu'on goûte, comment la bisous, sali, ma oua, ce pays est à vendre, ce pays est à vendre, parce qu'on est dirigé par des gens qui sont incompétents, ils sont payés, mais pourquoi faire? Mais vous êtes payés, pourquoi faire? Parce que ça, ce sont des petits problèmes. Même moi, dans ma maison, ceux qui n'ont pas de banane, n'ont pas de banane, donc quand on dirige, on a bien le coro, on a bien le coro, on a bien le coro, on a bien le coro. Parce que membre extraordinaire, on a bien le travail. Parce que vous avez bien que le ministère du commerce et de l'approvisionnement et de la consommation, vous êtes incapable aujourd'hui de nous dire que vous avez envoyé les éléments qui puissent contrôler les prix. Mais c'est quoi ce foutage de gueule? Depuis ce temps, vous en parlez, vous avez dit le plan de résilience. Jusqu'à ce jour, vous nous dites que vous allez encore le plan de résilience. Mais qu'est-ce que vous attendez pour faire ça? Est-ce que c'est l'argent qui vous manque? Même si vous n'avez pas l'argent, mais montez-nous une équipe. Mobilisez les personnes. Et les gens vont peut-être y travailler. L'argent pourra peut-être venir après. Mais c'est pas l'argent qui manque. Vous avez l'argent.
C'est pour acheter vos voitures, pour acheter vos fonctions. Mais il y a un gros problème. Regardez, allez dans leur ministère. Vous allez rentrer dans les ministères. Vous allez voir les, l'état, il y a une structure au Bambasalaka. L'état des bureaux. Au commun, il y a un bureau au Batalaka, au Salakuna, il y a un délabrement, il y a un Les maisons sont beaucoup plus chic que les ministères. Est-ce que c'est normal? Dans les ministères, pouvaient avoir les coupures d'électricité. Mais il y a un courant et katanakate. Dans le ministère, vous n'avez même pas les toilettes. Et pas dans le toilettes. Donc, dans le ministère, parfois, ma exalité. Mais chez eux, ils ont l'eau en permanence, tout ça. Mais on a quel moka? Quel motif nous avons pour diriger? Ces personnes-là, ces ministres-là, partez seulement dans les ministères. Allez voir les secrétaires qui sont là, qui s'étouffent là dans des pièces. Ils sont peut-être 10, 12, puisque tous les jours, ils ne font que faire des nominations. Batobana, la place, c'était, bah, espace, c'était. Il ne faut pas passer la nomination pour que la place à la mort. Ils sont confinés là dans des petites pièces. Alors, les personnes là travaillent dans les mauvaises conditions. Mais ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit, vous avez dit, ces personnes-là vont nous rendre les comptes un jour. Ça, je vous le dis. Soyez-en sûrs. Un jour viendra. Ces personnes-là rendront compte à la République. Ces personnes répondront de leurs actes, tout ce qu'ils ont posé, le tort, le retard qu'ils ont donné à ce pays. Ces personnes-là, un jour, rendront des comptes. Alors, Baninga, alors, comme il est là vendredi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end, Baninga. Vous savez, comme d'habitude, le vendredi, c'est un jour, nous faisons Bisso, nous, on fait la promotion de notre culture. Alors, du côté de la régie, Tosepela, Nabanzembo, Yambo Kanabiso. Papa yo me magana kembo, o me magana kembo na yo. Papa me ma, yo me ma. Obita benelia, yo me maga. Obita benelia, nazolu kayo e, yo me maga. Alors, mes chers amis, merci beaucoup. Comme dit Olsen Ngoma, Olsen Ngomo, c'est trop dur pour eux. Ils n'arrivent pas, ils ne peuvent pas quitter. Incompétence. Comme dit aussi Armand Bouéa, est-ce qu'il faut encore se poser la question s'ils sont incompétents? Oui, ils sont incompétents. Ça ne sert même plus de poser ces questions-là. Oui, comme le dit aussi Hugues Denis, ils ont des comportements des animaux. Voilà, ce sont des animaux. Les amis, vous étiez sur la matinale, 7h, heure de Paris, 6h, heure de Brazzaville. Les amis, nous nous retrouvons lundi à la même heure. Allez, n'ayez pas peur, que Dieu bénisse le Congo. Allez, ciao, générique. Madouka doit rentrer au Congo. Madouka, sa place c'est au Congo. Ça il ne faut pas oublier de le dire. Les Yokoba Madouka, Ado ambassadeur K. Madouka, Ado ambassadeur K. Les Yokoba, les Pébissi Morosis. Les Yokoba Madouka, Ado ambassadeur K. Les Yokoba, les Bourousa Amboa. Voilà. Raffiné, savoureux, goûteux, sans oublier la ponctualité. Eli Cook a été à la hauteur pour mon mariage. Je vous recommande Eli Cook pour vos anniversaires, vos mariages, pour le baptême. Faites confiance à Eli Cook.